Bonsoir Aurélien, comment tu vas? Bonsoir Nathalie, ça va bien et toi? Très très bien, super, impeccable. Donc avant peut-être commencer par se présenter, est-ce que tu peux rapidement dire ce que tu faisais avant la formation, tout ça? J'ai travaillé dans un magasin de vêtements de seconde main. J'y travaille toujours actuellement. J'ai un autre temps en tant que bibliothécaire aussi. Oui. J'ai travaillé dans le Reiki aussi, donc rien à voir du tout avec les ongles. Voilà. Voilà, d'accord, très bien. Un peu de parcours. Oui. Et est-ce que tu as suivi d'autres formations avant de te lancer dans celle-là ou pas du tout? Non, pas du tout. J'ai justement découvert des formations via YouTube. Totalement par hasard, je suis tombé sur tes vidéos. Et de fil en aiguille, j'ai envie de dire que ben, j'ai découvert, je me suis renseigné un peu partout. Et finalement, ben, c'est la formation que j'ai choisie. D'accord. Et justement, c'était quoi la différence avec les autres? Qu'est-ce qui a fait que tu as choisi celle-là plutôt qu'une autre? Que c'était une formation très très complète qui allait de A à Z. J'ai longtemps réfléchi, je me demandais si c'était pas une arnaque ou des choses ainsi, si j'allais pouvoir y étudier tout seul, juste avec les vidéos, si ça allait suffire. Pour l'instant, ça me convient très très bien et j'en suis bien content. Ah bah c'est impeccable. Et est-ce que tu t'es bien senti intégré dans la formation, d'autant plus que tu es un homme, donc tu étais le premier à intégrer la formation. Donc est-ce que pour toi ça a été facile de t'intégrer? Oui, j'ai pas eu de difficulté à trouver ma place. Elle s'est faite tout naturellement. Et ça a été comme si c'était très normal, en fait. Oui. Oui, d'autant plus que tu as eu vraiment beaucoup, beaucoup de messages te félicitant quand tu t'es inscrit sur le groupe privé, te disant félicitations, bravo, c'est impeccable, t'es notre petite mascotte et tout, dès le départ, hein. Très, Exactement. très rapidement, tu as C'est eu plein de messages. très très chaleureux, très mignon. Je m'attendais vraiment pas à ça en plus. Donc je me suis vraiment bien senti accueilli. Et puis maintenant, je fais ma pause, je montre ma pause. Les filles sont là pour m'aider. Puis tu interviens pour me corriger exactement. Et c'est vraiment quelque chose qui est un groupe familial en fait. C'est vraiment très familial et c'est ça que j'aime vraiment bien dans le groupe. On ne se sent pas mis de côté ou quoi que ce soit. Et on parle beaucoup avec les filles, que ce soit sur les groupes ou en Messenger. C'est génial. Ah, c'est super. Moi, je pense vraiment que ce groupe privé, c'est ce qui fait la force vraiment de la formation parce qu'on est toutes bienveillantes et tout ça. Et justement, est-ce que tu as eu l'impression à un moment donné que c'était un petit peu comme sur les autres groupes où on se critiquait, on se tirait dans les pattes ou pas du tout? Non, pas du tout. S'il y a de la critique, c'est constructif en fait. Donc c'est vraiment, tiens, il faudrait que tu améliores ça un petit peu. Ton mont B n'est pas bien situé. C'est pas une critique, c'est vraiment pour s'améliorer, pour aller de l'avant. Et ce n'est que ça, que du positif en fait. C'est super. Donc toi, tu aimes cette formation, si c'était à refaire, tu la referais? Ah, mais j'irai encore plus vite pour la choisir. J'hésiterai pas du tout à la refaire. J'irai avec plaisir. D'accord. C'est super. Et justement, quels sont tes projets maintenant pour l'avenir? Jusqu'où tu voudrais aller? Est-ce que tu as déjà réfléchi à tout ça? J'y ai un peu réfléchi. J'aimerais bien commencer par une plus tard quand j'y arriverai, j'aurai mon certificat. Ouvrir ma petite entreprise chez moi au début, dans un petit coin de ma maison, vraiment tranquille ou peinard, mais pour l'instant, je travaille en bibliothèque et en magasin de vêtements, donc je suis sur les deux, il me reste un peu de temps après pour m'entraîner, mais oui, mon projet, c'est vraiment pouvoir ouvrir, Oui. voyez, je bloque. T'aimerais ouvrir ton petit centre, ton petit coin où tu fais les ongles, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça. Et puis, par après, pourquoi pas faire les ateliers sur le maquillage, tout ça pour les filles, les soirées qui sont consacrées exprès pour elles, pour qu'elles se sentent bien. Ouais. Ah bah c'est super.
un très très beau projet. Et est-ce que tu as été soutenue dans ce projet-là par tes proches ou est-ce qu'ils avaient un petit peu peur que tu te lances dans la formation? J'en ai parlé à personne au début. Oui. Puis tout doucement, bah, j'en ai parlé à mon copain qui voyait que je voulais me lancer là-dedans, qui lui me soutient énormément. Puis j'ai mes amis aussi qui me soutiennent aussi, à qui que dès que je fais une pause, bah, je leur envoie le photo et ils me font « Ah, tu t'es amélioré là-dessus, c'est bien. » Bah, je vois que je suis bien soutenu par rapport à mon entourage et mon copain. De là, tout va bien. Est-ce que ça a été facile pour toi de suivre la formation? Comment est-ce que tu la suis? À travers l'ordinateur, le téléphone, la tablette? Qu'est-ce que tu utilises? Je la suis à travers mon téléphone et le PC. Quand j'ai 5 minutes au boulot, j'en profite vite pour me connecter sur la plateforme et regarder. Sinon, bien souvent, avant de m'endormir, j'aime bien regarder des vidéos. Donc, je regarde sur la plateforme encore une fois. C'est très facile, que ce soit de Belgique ou d'autre part. Non, c'est très facile, c'est très complet, c'est quelque chose qui est vraiment génial. On peut étudier n'importe quand, quand on a le temps, quand c'est une formation dans un centre, bah, c'est tel jour à telle heure, et si on a un imprévu, bah, on est obligé d'annuler, soit on la perd, soit on essaye de la récupérer comme on peut, mais c'est pas toujours facile. Tandis qu'ici, c'est vraiment on étudie à son rythme, comme on peut, avec les moyens qu'on a, et c'est vraiment pour ça que j'ai choisi la formation. C'est super. Et justement, est-ce que c'est gérable de le faire justement avec un voire deux travail à côté? Est-ce qu'on peut quand même suivre cette formation? Parce qu'il y a des gens qui travaillent, il y a des gens qui ont des enfants. Ils se disent peut-être j'ai pas tellement de temps pour suivre cette formation. Est-ce que toi tu trouves que tu progresses quand même bien? Tu arrives quand même à te mettre dans cette formation et à évoluer? Sur quelques temps, c'est vrai que la semaine, j'ai pas spécialement le temps de mettre en pratique ce que je vois dans les vidéos. Mais oui, c'est tout à fait faisable. Moi, je me consacre le week-end ou alors, ben, quand je rentre du boulot, après le souper ou quoi que ce soit, j'essaye de m'y mettre un petit peu. Mais oui, c'est tout à fait faisable. Il suffit de s'accorder un petit peu de temps pour soi et on y arrive facilement. Et tu y arrives, ouais, c'est super. Et donc, est-ce que tu recommanderais cette formation, justement, si un ami ou une amie voudrait faire cette formation, ou justement un homme peut-être qui n'ose pas faire cette formation parce qu'il se dit, moi, en tant qu'homme, je n'ai peut-être pas ma place, au milieu de toutes ces femmes. Qu'est-ce que tu lui dirais? Qu'il faut se lancer, qu'il faut oser, qu'il faut passer le cap, évidemment, que quoi qu'il arrive, même s'il se renseigne ou quoi que ce soit, ce n'est pas perdu, c'est que du bénéfice, qu'il faut y aller. J'ai déjà recommandé sur des groupes que je vois, sur des ongles, des gens qui cherchent des formations, bah, tout de suite, je leur dis ton prénom. Pour qu'ils te retrouvent sur Facebook, qu'ils puissent se renseigner auprès de toi. Je leur envoie aussi l'adresse du site, qu'ils puissent voir directement aussi là-dessus. Et j'en ai eu plus d'une réponse qui m'ont dit « je vais me renseigner, je vais voir et on verra ce que ça donne ». Oui. Mais oui, dans tous les cas, je recommande la formation, il ne faut pas hésiter. C'est vrai que vous êtes vraiment adorable dans cette formation parce que vous êtes très 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 nombreux à la recommander. Souvent, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a très très peur d'intégrer la formation et dès qu'on y est, les 5 premières minutes, on se dit mais pourquoi je l'ai pas fait avant? Puisque en fait, on Exactement. se sent tellement bien accueilli, on se sent tellement bien, on est tellement dans la bienveillance, tout ça, et que après, on se dit mais finalement, pourquoi je l'ai pas fait avant? Exactement, c'est ce que je me suis dit C'est ce que aussi. tu t'es dit. Voilà. J'aurais dû me lancer plus tôt. Et bon, j'ai perdu quelques jours, mais c'est rien. J'en suis C'est là vrai. et je suis très heureux. Exactement. Et tu penses que des personnes peut-être plus âgées ou plus jeunes peuvent le faire aussi? Parce que des fois, on peut s'imaginer que l'âge est un frein. Est-ce que pour toi, ça joue ou pas? Non, je pense pas. Que ce soit de n'importe quel âge, on peut tous apprendre. Les vidéos sont faciles pour apprendre, donc tout le monde peut vraiment apprendre, que ce soit de n'importe quel âge.
Et est-ce que, ouais, parce que des fois, on peut se dire, avec l'âge, on se dit, moi, tout ce qui est informatique, tout ça, je m'y connais pas trop. Est-ce que tu trouves que vraiment l'accès à la formation, tout ça, c'est facile? Je veux dire, voilà, parce que voilà, non, logiquement, si tout se passe bien, tu fais l'inscription, tu reçois le lien directement, tu as juste à cliquer sur le lien. Est-ce que tu as trouvé que c'était facile ou compliqué d'après toi? Oui, moi j'ai eu facile. Maintenant, je suis aussi fort dans la technologie avec D'accord. tout ce qui est nouveau. Maintenant, pour une personne je veux dire, qui n'est pas adepte de la technologie et tout ça, non, c'est pas très très compliqué. Il suffit de suivre le lien, de rentrer son code et son identifiant, et puis c'est le tour est joué. Et on y accède, oui. Ouais, donc plutôt facile alors. Et peut-être une dernière question. Qu'est-ce que tu penses de la formatrice? Ah, elle est pas mal, elle est géniale. Franchement, elle est adorable. Là-dessus, je n'ai rien à dire. C'est gentil. Elle nous consacre, tu nous consacres beaucoup de temps. Dès que tu as l'occasion, on sait que tu es là. Tu as plusieurs groupes sur Facebook que tu dois gérer. Tu as les vidéos. Tu as toute ton entreprise derrière toi. Et franchement, je me demande comment tu arrives, à nous consacrer autant de temps, pour nous, pour qu'on évolue. Non, c'est vraiment génial, c'est super. D'accord. Bah, c'est cool. Parce que voilà, j'essaye vraiment de me consacrer du temps, mais des fois j'ai l'impression que j'en fais toujours pas assez. Donc j'essaye d'en faire toujours plus. Comme là, par exemple, je vais rajouter encore des choses dans la formation professionnelle de base, comme je l'avais dit, hein, je vais rajouter encore des exercices et encore d'autres vidéos. Voilà, parce que voilà, j'ai des vidéos sur YouTube que j'ai pas dans la formation, donc je vais les rajouter dedans. Et c'est vrai que j'essaye toujours de réfléchir à ce que je pourrais améliorer, ce que je pourrais vous apporter en plus. J'essaye d'écouter aussi ce que vous me dites beaucoup. Voilà, là après, je travaille sur la formation Confiance en soi et succès, donc c'est vrai que ça me prend beaucoup, beaucoup de temps. Puis j'étais partie aussi en séminaire il y a pas longtemps. Mais voilà, j'essaye vraiment de vous consacrer du temps un maximum parce que voilà, pour moi, c'est juste extraordinaire de pouvoir faire ça. J'ai d'ailleurs arrêté mon travail donc à l'institut, j'ai fermé mon institut et tout ça pour me consacrer à 100% pour pouvoir vous corriger 7 jours sur 7 et parce que pour moi, c'est une vraie passion de le faire, quoi. Je sais pas si ça se ressent, mais Je bien sûr, ça se ressent, on le voit, on voit qu'il donne à fond pour cette formation, pour nous former. Tu accordes vraiment tout le temps qu'il faut. Dès qu'on a un souci, que ce soit sur le groupe, on peut en parler, ou alors en message privé aussi. Pour ça, il n'y a pas de souci. C'est génial. Et tu nous accordes bien beaucoup, beaucoup de temps pour nous. D'accord. Bah, je suis contente de savoir que voilà, ça, c'est déjà pas mal comme ça. Et puis j'espère que ça va encore s'améliorer par la suite en faisant voilà, j'ai prévu de faire des lives un peu plus régulièrement sur les différents groupes. Et voilà, quand ce sera quand j'aurai un tout petit peu plus de temps par rapport aux formations que je propose. Juste encore peut-être une dernière question. Est-ce que le fait que cette formation soit réglable en plusieurs fois, c'est quelque chose qui t'a aussi c'est quelque chose qui est rentré en ligne de compte pour toi ou pas? Oui, exactement. C'est ce qui m'a permis justement de pouvoir choisir la formation. J'ai pris la formule où il y a le NILAC, c'est la formation professionnelle. Et la troisième formation, je ne sais plus le nom. La formation forme artistique. Voilà. Non, c'est vraiment ce qui m'a poussé vraiment aussi à pouvoir prendre ta formation. Je n'ai pas spécialement non plus les moyens d'aller ensemble pour payer, je ne sais pas combien, pour 3 jours ou un peu plus. Et dans ta formation, on a entre 6 mois et 1 an, et bien souvent, de ce que j'ai vu, les filles restent malgré tout, après leur enseignement, je vais dire. Et ça a été vraiment chouette pour pouvoir payer. Voilà. Ouais. Juste peut-être toute dernière question. Justement, quand tu vois l'évolution des filles, parce que j'avais mis des avant-après, est-ce que tu, voilà, ça te motive encore plus à te dire, waouh, mais je vais réussir. Ah oui, à 100%, c'est plus on voit les autres évoluer en fait, plus j'ai l'impression que nous, enfin ceux qui débarquent, ont envie d'évoluer, d'arriver à leur pose, à leur niveau.
parce que quand on débute, c'est vrai, on rate, on se dit, ah, c'est pas beau, mais c'est pas grave, on est là pour apprendre et on s'entraîne, que ce soit juste après ou le lendemain ou ainsi de suite. On est vraiment là pour apprendre et il faut pas avoir peur de ça. Si on rate, c'est pas grave. On recommence, les autres nous aident, on recommence à ce moment-là, on essaye de s'améliorer et c'est pour un mieux. Voilà, et ça fonctionne comme ça. Oui, en Ouais. fait, si ça fonctionne aussi bien, c'est par rapport aux neurones miroirs. Quand on est face à quelqu'un qui réussit, on a tendance à s'identifier à ça et à vouloir avoir un petit peu la même chose, quoi. On ressemble en fait aux 10 personnes qui nous entourent le plus. Et vu que on est tout le temps, tous les jours sur le groupe, finalement, c'est comme si on était entouré par des personnes ben, hyper motivantes parce qu'on les voit qui ont déjà réussi, qui ont ouvert leur entreprise, l'entreprise tourne. Voilà, on se dit mais moi je veux ça. Et vu qu'elle a Ça donne réussi, envie, ouais. voilà. Et vu qu'elle a réussi à faire ça avec la formation, ben, il n'y a pas de raison que moi je n'y arrive pas. Et je trouve que c'est un super super moteur parce qu'en plus je me suis rendu compte que la plupart des filles qui faisaient une formation en centre, finalement, elles ne sont pas accompagnées après. Et très vite, elles abandonnent parce elles abandonnent au premier échec, finalement. Première pause qui tient pas, voilà, erreur de l'image, choses comme ça. Elles arrêtent parce qu'elles manquent de C'est ce que j'ai confiance eu en elles. l'année passée. L'année passée, je m'étais lancé là-dedans, mais sans formation, Oui. sans rien. Je me suis dit, c'est pas grave, je vais apprendre de moi-même. Et je voyais que ça n'allait pas du tout. Je me suis très, très vite découragé. Et cette année, ben, j'ai eu le déclic. Je me suis dit, bon, allez, formation cette fois-ci. Et puis, j'ai atterri chez toi. Voilà, c'est tout, c'est super, c'est génial. Ouais, et du coup, voilà, ça permet de vraiment évoluer, je pense, plus rapidement et de pas lâcher, parce que je me suis rendu compte que dans notre formation, en fait, il y avait très 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 peu de filles qui lâchaient en cours de route, quoi. Et quand elle dit, oh, je sais pas, j'ai des doutes, finalement, t'as au moins une cinquantaine de filles qui viennent dire, mais non, lâche Exactement. pas, continue, on est là pour toi. Et c'est génial parce qu'en fait, on n'a pas l'impression que c'est de la concurrence. On a l'impression que c'est vraiment des membres de la famille, mais qui soutiennent, qui comprennent. C'est ça. Voilà, et on Il est y a pas de, tous, pour moi, il n'y a pas de concurrence. voilà. C'est chaque chose, chaque personne a son talent, il y ajoute sa touche, et non, il n'y a vraiment pas de concurrence. On est tous là pour s'aider, et je pense qu'aucune concurrence n'y a du tout. Oui, surtout entre nous, hein. Ok, bah merci énormément Aurélien d'avoir fait donc ce petit témoignage, d'avoir répondu à mes quelques questions. On se retrouve très vite sur le groupe si tu veux bien. Avec plaisir. Ouais, d'accord. Bah merci beaucoup, hein. Passe encore une très très bonne Merci à soirée. toi. À très Une bonne vite. soirée à toi aussi. Merci beaucoup.